Shalom les saints et les saintes, j'espère que vous vous portez tous très bien. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je vais vous montrer cet après-midi une recette qui est très simple à faire. Cette recette va vous aider parce que ça va amener les gens à vous aider. Vous n'auriez pas besoin de beaucoup expliquer aux gens quels sont vos problèmes. Mais naturellement, la vie va faciliter que les gens vont vous aider. Des gens vont même venir vers vous pour vous demander ce qu'ils peuvent faire pour vous aider. C'est très simple, c'est très efficace. Avant de passer à la recette, je veux rappeler à toute ma communauté, je ne suis pas sur TikTok. Je vous ai parlé il y a peut-être une semaine. D'une personne, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, qui utilise tous les contenus qu'on a ici pour reposter sur TikTok. J'ai vraiment l'un de mes abonnés, je lui remercie beaucoup, qui m'a contacté pour me dire que la personne a remis encore ce compte-là sur TikTok. Donc apparemment la personne avait effacé et elle a remis. Donc vous devez savoir, tout ce qui est partagé en dehors de YouTube, ce n'est pas moi. Si vous tombez sur mes contenus sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur tous les autres réseaux sociaux, si ce n'est pas YouTube, vous devez savoir que ce n'est pas moi. Donc faites attention à vous. Ne tombez pas dans le piège de certaines personnes. Faites attention à vous. Je ne sais pas ce qu'il faudra faire par rapport à ce compte TikTok-là. Si certains d'entre vous peuvent aller sur TikTok, si vous êtes sur TikTok, tapez celle de la terre, vous allez trouver ce compte-là pour aider que la personne ne puisse pas faire du mal à beaucoup de personnes dans le monde. Vous pouvez signaler ce compte-là pour que la personne puisse être bannie. Je sais que tu es là parmi nous, si tu nous écoutes, arrête ce que tu es en train de faire parce que ce travail-là ne va pas t'apporter du bonheur dans ta vie, ça va au contraire te détruire. Voilà, nous allons passer à la recette pour aujourd'hui. Je m'adresse à tout le monde, hommes, femmes. Généralement, nous avons le sentiment que on n'obtient pas parfois ce qu'on veut facilement. Même avec les efforts, ça vient difficilement à nous. Les gens n'ont pas pitié de nous, les gens n'arrivent pas à ressentir notre douleur. Mais avec ceci, vous allez le faire juste une fois par semaine. Et n'oubliez pas, je dis toujours, tout ce que vous faites doit être accompagné par des paroles. Et votre parole ne doit pas juste être parole, ça doit être une parole qui sort de vous-même, de l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce qu'une parole qui sort de vous-même? C'est une parole de foi. Donc avant que physiquement vous mélangez même ces ingrédients-ci pour utiliser, spirituellement, vous devez déjà dans votre tête croire à tout ce que vous allez dire en faisant ceci, sinon ça ne va rien vous apporter. Croyez déjà dès que vous allez commencer cette recette-ci que les gens vont vous favoriser. Les gens vont même vous suivre pour vous aider. Les gens vont même vous forcer pour vous donner, pour vous faire du bien. Vous avez déjà vu certaines personnes qui refusent même
qu'on les aide. Ça peut être financièrement, ça peut être un cadeau, ça peut être des cours, ça peut être n'importe quoi. Il y a des gens qui disent même que non, laisse-moi me battre, je vais y arriver seul. Mais ils trouvent les êtres humains, pas une, deux personnes, plusieurs personnes qui viennent même les supplier pour les aider. Ça, cette recette-ci, c'est pour ça. Vous allez chercher un pot de yaourt nature, même si c'est le yaourt que vous avez fabriqué vous-même, c'est bien. Si c'est le lait naturel, c'est bien. Si c'est le lait aussi que vous utilisez naturellement, que vous achetez les laits qui sont nature, qui ne sont pas encore trop transformés, c'est très bien pour faire ça. Vous allez chercher juste un bol ou une tasse en verre, comme vous voyez sur la photo de la vidéo. Ou si vous achetez votre yaourt nature qui est déjà dans une tasse en verre, comme ça, c'est bien. Si vous n'avez pas de tasse en verre, quand je dis en verre, ça veut dire, même si ce n'est pas transparent, une tasse en verre, en tout cas. Vous avez votre yaourt dedans, vous allez chercher un peu de poudre de cannelle, juste un peu de poudre de cannelle, vous mesurez même juste un peu dans une petite cuillère à café. Vous mettez dans le yaourt, vous prenez une petite cuillère à café aussi de miel, vous mélangez dans ce yaourt nature-là, vous tournez tous les trois ingrédients. Ensuite, avant de prendre votre yaourt, lisez le livre de Romains au chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Il est écrit dans ce chapitre-là que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Avant de commencer à prendre votre mélange, méditez sur ce passage-là et rappelez-vous bien quand vous avez mélangé tous les trois que vous avez, les trois ingrédients que vous avez lu ce passage-là, quand vous prenez maintenant ce mélange du yaourt avec la cannelle et le miel, prenez ce mélange-là en méditant sur ce que vous voulez. Méditez, ça peut être en parlant les choses que vous souhaitez. Vous voulez que les gens puissent vraiment vous aider. Vous voulez que les gens ressentent votre douleur. Vous demandez à l'Éternel, au Dieu créateur, vous demandez à l'univers, à la nature, de toucher le cœur des êtres humains pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous favoriser. Si c'est pour une démarche que vous faites depuis, méditez sur cette démarche-là, que la personne qui est décideur, la personne qui est devant ce dossier-là, puisse vous favoriser. Qu'où y a votre nom, si c'est une demande, qu'importe la demande, que vous puissiez être favorisé, que les gens puissent vous favoriser partout où vous allez partir. Demandez à la Dame Nature, demandez à l'Éternel, demandez au Créateur de mettre le cœur des gens en votre faveur, de favoriser que les gens puissent venir à vous pour vous faire du bien. C'est très efficace ce que je suis en train de vous montrer là. Même ceux qui sont dans les relations, dans leur couple, mais ils n'ont pas la faveur de leur partenaire. Faites ça une fois par semaine. Vous faites ceci une fois par semaine, vous allez voir comment le comportement de la personne va changer, comment la personne aura beaucoup plus d'amour pour vous. Mais sachez que le travail se fait et dans la tête et aussi dans l'acte physique que vous êtes en train de faire. Vous devez déjà croire, dès que vous avez composé ça, que ce que vous souhaitez là auprès des autres êtres humains est accompli. Et que ça va se faire. En prenant le mélange, vous êtes dans cette foi et cette conviction-là. Vous allez voir un grand changement dans votre vie, dans vos relations avec les autres, dans vos rapports avec les autres.
vous allez voir la faveur des autres grandir encore plus en ce qui vous concerne. Voilà, nous allons arrêter là. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Allez essayer cette recette. Vous allez être très content parce que c'est vraiment très efficace. Shalom à vous et restez dans la paix et l'amour de l'Éternel. N'oubliez pas avec ça, lisez votre livre de la Bible, le livre de Romains au chapitre 8, verset 28. Bonne chance, Shalom.